Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté qui l'heure, nous pral regarder, nous pral tendre vidéo ça. Non pas c'est Wendy Fell, petite bon Dieu, ça avec un même plaisir, même l'amour comme d'habitude. Moi là, encore une fois, jodi a nan micro unison nou, moi pote yon l'autre vidéo d'information pour nous. Dans vidéo ça, nous pral palo de Américain ça yo. Donc on est qui dans main gang, hein, monsieur 400 Marozo yo, nan minute n'a pas parlé là et depuis avant hier nous connaissons ces nouvelles ça qui a fait actualité. Jodi a gagné yon porte-parole de la Maison Blanche qui parle sous dossier ça. Est-ce que Joe Biden pral voye des militaires américains sous sol là pour vin chercher, pour en tout cas pour aller chercher moun sa yo? Rete connecté, nous pral pote détail pour yon petit moment. Est-ce que nous connaît Ariel Henry t'es capable mourir hier? Rete connecté les amis. Nous pral venir avec détail pour yon petit moment. Et puis gagné monsieur secteur privé qui convoqué Ariel Henry dans une rencontre. Ouais, bien dit qui convoqué Ariel Henry dans une rencontre. Ah, ils allaient me liquer sur des slammeries. Sous pourquoi abonnez-vous avec Unison nous, abonnez-vous Kounia. Ou pralé, bon côté nos chaînes dans Unison nous. N'importe qui espace rouge qui marque s'abonner, juste cliquer. Et puis comme ça, n'entrez en dans famille, cliquez sur subscribe et puis cliquez sur cloche là. Et pour nous capable toujours jouer une vidéo nous chaque fois que nous postons. Mesdames et messieurs, depuis avant hier, il y a une quinzaine américains qui nommé bandit Axam. Qui a plaité Koyola dans base 400 Marozo. Selon des spécialistes américains, en fonction de un article que un média américain publié jeudi à la, M. 400 Marozo yo semblait réclamer environ 1 million de dollars américains pour capable libérer Mounio. Est-ce que américain a entré dans la logique ça pour bailler Cob pour libérer monsieur Damien, parce que gen fi gen garçon. Ça c'est gros question qu'a posé. Est-ce que américain tout a débarqué là zama la main al prend moun yo dans main 400 Marozo? Nous connaissons moun yo yo en Haïti dans cadre activité. Est-ce que groupe qui te mené en Haïti, est-ce que groupe l'a décidé by Cob? Gros question qu'a posé. Ça qui certain c'est que parole là, li rive dans bouche Joe Biden. Et Joe Biden, Maison Blanche fait connait, Joe Biden rete informé régulièrement sous dossier américain sa yo que kidnappé dans pays d'Haïti. Et fait connait que la Maison Blanche rete en contact serré avec moun li gagné dans pays d'Haïti, dont les officiers du FBI. Yo li rete en contact avec département d'état, y a travail pour capable localiser qui côté américain ça trouve yo nan moment n'a parlé là nan pays d'Haïti. Objectif là c'est joindre yo et puis ramener yo aux États-Unis en toute sécurité. En tout cas, c'est ça CNN lui même l'a dit. Nan moment n'a parlé là, gagne évolution puisque gagne un porte-parole de la Maison Blanche n'a parlé de Jane Psaki qui parlait. Il parlait, mesdames et messieurs, parce qu'il tape à la conférence de presse, journaliste posait les questions sous Mounio. Il demandait est-ce que Joe Biden comptait déployer des troupes dans le pays d'Haïti, ça veut dire voyer des militaires dans le pays d'Haïti pour libérer otage. Il a posé la question. Entendez, qui ça? Il répond, mesdames et messieurs. Entendez. Le département de défense là qui t'a dû répondre question ça. M'a parlé de collègue moi John Kirby. Pour qu'on y aille, faut nous concentrer sous responsable en Haïti, FBI, n'a travaillé serré avec équipe diplomate nous dans ambassade Port-au-Prince là, n'a coordonné avec autorité locale, nous prend contact avec famille missionnaire et n'a fait tout ça nous capable pour nous assurer yo retourner la caillou sain et sauf.
Mwen pa gen anyen pou m ajoute. Yon nan bagay nou ka souline, se ke jè fò pou kidnape citoyen Ameriken epi mande yon ranson, se yon bagay ki komen nan peyi tankou Haiti. Se pa sol kote sa fèt, men yo vize citoyen Ameriken paske yo kwe moun sa yo gen l'ajan pou peye ranson. Donk, se yon nan rezon Departement d'Etat te lanse avertisman bay Ameriken kap voyaje Haiti nan mwa dout la paske kidnapping yo ap augmente depi 2019. Mesdames et messieurs, nou tap tande porte-parole la ki tap pale. Yo pose l kesyon, ou tande ki sa l di, l di l page trop bagay pou l di tout sa. Donk, li esquive question ça li a pas décidé répondre pour connaître est-ce que Amérique a voué militaire ou pas li seulement confirmé que autorité américaine yo a travaillé pour capable joindre libération missionnaire qui kidnappé yo et il fait qu'on est a fait kidnapper américain son bagaille qui fait un peu partout dans le monde là parce que ravisseur toujours penser que américain gagne l'argent donc si yo kidnappé il a joindre comme c'est ça porte parole là li même li fait qu'on est. Situation extrêmement compliquée mesdames et messieurs, pays d'Haïti vraiment non bon on a parlé là la traversé un moment qui extrêmement compliqué. Et Ariel Henry hier réussi comprendre que pays a fini. Ariel Henry hier déclaré que bon là pays a li fini mesdames et messieurs. Et nous dit tu gagne grève aujourd'hui a tu gagne grève et apparemment grève là t'es marché gagne gros discussion là côté nèg qui t'a organisé grève yo gagne qui dit grève levé gagne qui dit non grève pas levé etc. Bon gros discussion mesdames et messieurs. OK et m'te dit nèg yo t'es supposé mander 1 million pour moun yo mais apparemment selon New York Post nèg yo semblait mander en pile l'argent pour chaque tête moun qui nan mais yo. OK, donc je connais te dit tout à l'heure, gagné et monsieur secteur privé qui convoqué hein Ariel Henry là non on raconte yo mandé Ariel Henry pour le confirmer présence et cetera et cetera pour capable à discuter des affaires insécurité. Et ça tout vend dit ça. Haïti a son ensemble ils ont mangé que lui. Ben dit pas qu'à manger manger n'a gâté et c'est nous cap grand c'est nous cap souffrir retour. Chita bail bandi à zamzam. Founi yo munisyon, et puis di se kont on citoyen ke nap gomen. Kont tel ou tel moun ki nan gouvernement, se lin bab le, et puis nap gomen. Manti. Bandi yo se makak yo ye, ou la ge zam nan, mais makak be zam nan. Li ap empêche ou fonctionne. Mais c'est ça qui a passé là. Hier, Ariel Henry te kapab mouri. Entendez, comment Gary Perbolchal, qui gagne de très bonnes informations de ça qui passé hier, t'a détaillé ça qui passé dans Pont Rouge hier avec Ariel Henry et comment Ariel Henry est arrivé sauvé. Gary Perbolchal. Vous avez une idée géniale pour votre site internet? Avec Webnode, vous pouvez facilement le créer vous-même et. Ah! De Samoun Abdi dans certains médias. Ariel! T'es vlé! Défié nèg armé yo. Tout ça yo dit Ariel pour ne pas descendre en bas. Monsieur dit l'a descend. Quand même. Li te vle mordicus fait geste historique ça pour saluer mémoire empereur. 24 heures avant date là. Avant 17, ça veut dire le 16. Certains conseillers politiques PM, non, pour Washley et Aliel, ils ont déconseillé, ils ont dit pas descendre. Ariel dit la prend courage là demain, livré à tout prix pour la Pont Rouge. En plus, on pensait que PM ça, Ariel Henry tape chercher la mort. Elle te voulait mourir. Pont Rouge, même côté à l'emploi. En pile monde pensait ça parce que vous dit l'étape mourir quand même, l'étape sortir vivant. Face à insistance premier ministre là, parce que premier ministre pas voulait faire bac sous Pont Rouge là,
Léon Charles, directeur général de la police nationale, il a eu un rendez-vous pour aller à la base Simo, Kishita, sous Chanmas. Chanmas. Il y a un mot. Ou si constant, Léon Charles, face à grand danger ça, les IPM, non? Ou pas calé. Malgré des tentatives ça, Léon Charles échoué, premier ministre dit qu'il peut aller quand même. Mais nous connaissons base là, c'est tout près circulation. Oui, oui. On y a PM, non? Dit la descend, Léon Charles dit pas de problème. Entre temps, pendant autorité on a base Laval, c'est une première information, campagne. Pendant autorité en bas, bandits ont commencé à tirer. Cascade de tirs nourris. Détonation fait structure côté négoté à trembler. Et mes histoires, curieusement, à chaque coup d'arme automatique, ça campagne d'abdia. Ça veut dire ma forme mise en contexte. Policiers applaudit bandits. Oui. Mais nouvelle. Ouais. Nous comptons. Ouais. Ils défient autorité. Ils rejetent autorité. Ils humilient autorité gouvernementale. Charles Pablier, Mas. C'est premier ministre, ministre intérieur, ministre justice, ouais. Directeur général de la police, ministre affaires étrangères, ministre de la jeunesse qui est là. Donc, le gouvernement dans son ensemble a été humilié par les policiers. Bravo! Et on t'a passé au ridicule, premier ministre, avec l'autre autorité que tu as accompagné. Suite à cette situation, ou du moins suite à ce comportement étonnant, Ariel Henry dit tête-lui, bon. M'a cité. Nous n'en cas nous chirer pays à fini. Je cite Ariel Henry face au mépris du policier. Mais les policiers étaient apparemment en rébellion. Yo dit c'est yo qui dans la rue. C'est yo qui a mouru. C'est pour nèg ça yo dégager ou pourquoi yo pour aller pour rouge. Yo ba un cob, yo ba un petit catio. Là yo mouri, yo traité yo comme des chiens. Là Léon Charles ouais ça comme directeur général de la police et face à insistance pour le ministre Léon Charles en tenue de combat. Monsieur Prince Amni. Il dit troupe pâle, ne quitte accompagné, en aller. On descend à pied pour arriver à bonne circulation. Pendant Léon Chalap descend pour aller sur le terrain, et ouais, comment faciliter PM nan pour atteindre l'objectif qui s'était posé Jeff Fleur dans le papa de Saline. Pendant Léon Chalap déplacé, seule équipe qui suivent lui, c'est BIM,
tout l'autre nègre unité qui supposait accompagner yo yo campé. Donc autorité en place yo vinn dit tête yo que le problème est sérieux et réel. Policiers ou pavlé goumen sans armes. Mission sans matériel, sans ticket là, sans respect et sans accompagnement. Maintenant, le problème de leadership était clair. Très clair. C'est un problème de leadership qui était posé. La situation, non, te paraît extrêmement grave au sein de la police nationale. L'élève arrivé tout près de la circulation. À pied, véhicule, Léon a fait appel à l'équipe de paraison, équipe solide là, qui était là. Et l'équipe solide a commencé à engager une bataille avec les armées. Pour repousser les gens, pour créer un tunnel pour le premier ministre de l'espace de QG contre le TA pour le arriver. Deux camps à bataille. Face à théâtre de guerre, ça. Léon Charles dit premier ministre. PM ou pas carré. C'est ça qui fait des images où vous avez des images, machine qui a viré, etc. Machine a viré, tout les bagages, ça vous a tiré. Mais pas oublié. Moi, j'ai une information là. Selon source concordante, monsieur en face à police, il y a un sniper qui a été placé dans des endroits précis. Que ouais avec drone qui t'a tué ni Léon ni Ariel. Mais Chalma Ariel voulait mourir. Ça m'a dit non. C'est pas comme si que m'a inventé la mort, monsieur. Non? Monsieur, tu voulais quand même aller. Et selon ça, proche qui fait qu'on est, il n'y a pas de convaincre monsieur. Monsieur te dit, même s'il mourit, il faut l'aller quand même parce que monsieur voulait affirmer la présence de l'État. Quoique monsieur n'est pas élu, monsieur n'a pas d'engagement pour le peuple, il n'a pas dit, monsieur voulait quand même te faire ça. Et. Pendant un mouvement à tirer, par raison à bagaille, et puis il y a un sniper. Là, on dit, oui, ministre, soit aller, ou mourir. Ariel, tu voulais aller, il y a des gens qui avaient, qui dit, PM, ou pas aller. Parce qu'on est un chef, c'est chef, oui. Mais c'est tout un état de sécurité, vous le chef. À preuve, ou un état de sécurité qu'un président, il n'y a pas vu le président encore, il y a facilité pour tuer. Donc, nest ça que dit Ariel? Non. Ariel, donc, lui raté cette étape de la journée. Et Ariel, elle a dégagé, déposé un jet de fleurs, quand on a pas dit. Lui, il veut déposer un jet de fleurs, mais l'espace était fermé. Ouais. Malheureusement. Parce qu'il n'y avait pas eu de planification bien avant pour ça. PM nan fèl et Léon Charles prend route avec équipe li plus par raison il prend route nationale qu'on y a pour aller faire route pour PM nan ka aller desaline. Avant de continuer, il semblerait que bon information, il semblerait que par raison a sauvé une vie parce que l'Assemblée ministre touriste là t'est débarqué et puis par raison qui a non, qui ministre touriste là lui même il était voulu engager pour mourir, pour aller. Son femme solide, d'ailleurs, vous avez des informations bien contre il était voulu lui-même arriver et accompagner le premier ministre. Mais, là, il était arrivé en bas, il était pas le mourir. Oui, c'est. Il était pas le mourir clair. C'est. Il était pas le mourir clair. Il y a
Léon Charles Parizon, il fait route là, il a créé espace pour un ministre qui arrive. Machin des années, mais pas de tirer, pas de mais c'est un monde qui fait connaître, il y a deux, trois barricades, mais c'est un monde qui fait connaître que moi-même, je ne pas justifier ni correspondant qui était là-haut, pas de même ça comme information. Donc, au cas où c'est à ça, je ne pas de gagner comme information. Passez, bah. Kounia m'a dit nous, ça crève. Depuis le mercredi 13 octobre, magistrat de Salines, lui a annoncé après là que le Premier ministre Ariel Henry a vu le marchand le 17 octobre. Et magistrat a dit, mon père, protocole palais à Brélio pour planifier Tédéum. Vice-délégué Machin, qui c'est Wadner, qui c'est... Oui, monsieur, quoi. Wadner, monsieur, c'est... Non, non, il n'est pas Wadner, exactement. Non. Mais il n'est pas pour ça, non. Monsieur, c'est manager. Mascompa. Grâce à Delva. Monsieur, son est très connu. Monsieur, il est chef protocole par le national, là, qui c'est Jean-Yves Mazil. Il dit Mazil. Faut qu'on parle avec nous parce que pour le ministre a vini, machin de salut. Mais il répond, monsieur, d'après Wadner, et Wadner que bala avec. Il n'est pas impliqué dans l'événement ça. C'est la primature qu'a organisé. Et Wadner pour téléphoner, il relève le secrétaire général primature, Bradouard Jovenel, Gilles Faustin. Il confirmé. Que oui, pour le ministre Abvi. Mais, femme dit nous, auditeurs, téléspectateurs, internautes, habituellement, c'est président, c'est la présidence qui gère le type d'activité, ça. C'est jamais, c'est pas jamais la primature. Parce que primature n'a pas gagné pour organiser rien. C'est pour la première fois qu'on a une situation comme ça, côté pas gagné président, et c'est primature qui a géré. Donc, sous Martel, il y a Jovenel, c'est au même. Qui te connu fait bah, ça. Il arrive que c'est Daniel Lenné, qui sont ingénieurs qui ont construit Stang, Fion de Masse. Dans tout événement, c'est M. construit Stang pour Martine, etc. Nous sommes ingénieurs Lenné. Ouais, très connu. Et c'est M. qui était prêt pour construire Stang. Mais là, fait ça, il y a toujours signé un contrat avec une personnalité très sérieuse. Moun qui respecte parole li, hein, je parle de Totobit. Totobit. Monsieur mon compagnie, monsieur son est très sérieux, là aussi on contre avec les respecter. Mais Anessa, secrétaire général primature, il n'a pas fait bagaille aux gens pour le faire. Il signe à l'aîné, il n'a pas signé son à Totobit. Donc, là où fait bah là, il pas pris contact avec des délégués, vice-délégués. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu de planification. Dans le passé, d'après ce que m'ont rapporté les gens de Marchand des Salines, deux jours avant date événement ça, il y a toujours une délégation qui visitait ville là et qui rencontrait avec autorité locale pour planifier événement. Année ça. Primature, pas fait rien parce que j'ai une situation là. Primature a fait de manière indépendante, il fait pour contre lui, il fait un gendarme et il publie le protocole pour contre lui, sans autorité machin pas qu'on est, sans magistrat pas qu'on est, sans père pas qu'on est. Le père lui-même, lui personne par il est. Hier, 17 octobre, PH était mesti depuis 28h. Fête de homme. Tout à l'heure, monsieur. Faut suivre. Lui fête de homme, 28h. Donc, PM n'est pas là. Pas qu'il était de homme. PH fait affaire. Parce que Mounio était arrivé. Il n'y a pas de faire tout le monde attendre. PM n'a jusqu'à 11h midi. Parce qu'il n'y avait pas de planification. Donc,
problème planification, son problème fondamental dans l'échec ça qui passé dans Dessalines. Non, mais ce n'est pas tout. Réellement, le PM n'est arrivé, le podium n'est pas arrivé, mais pas de son, pas de micro, pas de génératrice, pas de speaker, il n'y avait rien. Donc, il n'y a pas eu de discours du Premier ministre également à Marchand. Contacté rapidement, le secrétaire général l'a dit, oui, nous avons signé un contrat avec ingénieur Lenné, même pas signé un contrat avec Pousson. Donc, problème. À côté de problème de planification, son zéro barré, Ariel passait à côté de l'événement. Et Ariel, de confier à ses proches, à ses à ministre qui était là, yo. Monsieur dit, son bon amateur, que m'a bon côté. M'a dit même bien l'autre, c'est bon écoutage. Mais monsieur dit, son bon amateur, on m'a dit qui pas qu'on a rien, qui t'a organisé pas. Bah, moi, je devais informer la population. Mais il y a l'autre bagaille qui passe encore. Là. Dans la Tibonite, Walter, il y a un conflit entre les différents chefs de parti. Je vais vous citer nous, même si vous voulez, il y a relé peut-être demain pour dire ça au moins. Bon conflit entre Grâce à Delva avec Profane. Nous t'attendons. Qui ça me gage encore? Qui ça me gage encore? Ariel Henry. L'État pays nous a théa. L'État pays nous a théa, les amis. C'est une bonne chose. C'est peut-être le haï. Moi, c'est le haï. Allez, on va aller plus tard dans l'autre vidéo.